Être le père d'un cheval de légende, voilà qui n'est pas donné à tout le monde, a fortiori en France. Auteur de la craque Trève, la double gagnante du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe en 2013 et 2014, Motivator s'est couvert de gloire grâce à sa fille, mais pas seulement. Issu de la première génération de Montjeu, dont il a été tout d'abord le premier champion en s'envolant dans le derby d'Epsom, avant de s'imposer comme le meilleur successeur au haras, Motivator a ainsi donné de nombreuses autres vedettes, outre Trève, et ce malgré une malencontreuse coupure dans sa carrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que Motivator, quand il était en Angleterre, déjà dès sa première année de monte, il a eu un accident. C'est là où il s'est blessé au niveau du bassin, il a une fracture du bassin. Donc il a terminé sa première année de monte au mois d'avril. Donc il a raté beaucoup de juments, et pour un cheval comme ça, quand même, qui était gagnant du derby d'Epsom, ça a été assez nuisible pour lui. Ensuite, il a fallu le protéger un petit peu, donc c'est un cheval qui n'a jamais sailli beaucoup de juments. Et surtout, il a eu une année, 2009, où il n'a pas pu saillir à cause d'un problème de tendon. C'est un cheval qu'il faut bien gérer physiquement pour qu'il puisse saillir sans problème, et on y arrive très bien à ce jour. Mais les deux dernières années avant de venir en France, donc avant 2013, il n'avait saillé qu'une quarantaine de juments chaque année. Donc il a des très petits effectifs, en fait, de 2 ans et de 3 ans sur nos hippodromes européens. En France, Motivator s'est distingué avec d'autres excellentes femelles comme Ridazina, une Agacan gagnante du prix de l'Opéra Groupe 1, ou la puissante Cocktail Queen, héroïne du Grand Prix de Deauville Groupe 2 en 2014. À l'international, parmi ses gagnants de groupe de l'année 2015, il faut distinguer Sky Hunter, lauréat de toute une classe à mesdames du Dubai City of Gold, un Groupe 2 sur 2400 mètres gazon. Passing the 200, Sky Hunter, 2 lengths in front of Sheikh Zayed Road, then True Story, Amkio back to the inside, Sky Hunter clear and is too good. Sky Hunter first. Depuis qu'il est arrivé en France, la première année, il a pu saillir un nombre beaucoup plus important de juments. Et l'an prochain, il aura en Europe 96 2 ans. Ça va être la plus grosse production qu'il n'a jamais eue, en fait. On sait très bien que les motivateurs correspondent parfaitement au profil des courses françaises. On l'a vu avec Sky Hunter et Cocktail Queen et plein d'autres chevaux. Il y a des 2 ans qui ont gagné cette année, malgré qu'il y ait un tout petit lot de 2 ans. Donc l'avenir est, je pense, radieux pour lui.